inquiétudes que peut susciter ce variant. Avec la mesure annoncée cet après-midi par Boris Johnson, l'apparition des premiers cas liés à ce variant justement, direction Londres. Bonsoir Mathieu Boisseau. Mathieu, pour pouvoir rentrer au Royaume-Uni, il va donc falloir à nouveau montrer patte blanche. Exactement, désormais test PCR obligatoire 2 jours après votre arrivée ici au Royaume-Uni. En attendant le résultat, il faudra vous isoler à l'adresse de votre choix. Cette mesure concerne tous les voyageurs en provenance de l'étranger, quel que soit leur statut vaccinal et quel que soit leur pays d'origine. En clair, les touristes venus de France sont concernés par cette mesure. Jusqu'à présent, seul le test antigénique était obligatoire, moins précis et moins cher que le test PCR. Et surtout, il n'y avait aucun isolement requis. Boris Johnson a expliqué cet après-midi, lors de sa conférence de presse, que le port du masque redevenait obligatoire, également dans les commerces et dans l'ensemble des transports en commun. Il y a pour l'instant 2 cas de ce variant Omicron ici au Royaume-Uni. Merci beaucoup Mathieu. Avant même l'arrivée de cette mutation du virus, c'est le cycle épidémique qui est la principale source de préoccupation dans plusieurs pays de l'Union. Elle est extrêmement rude en Allemagne, qui se déroge sur les raisons de ce séisme que vit actuellement les services du